point à dire que, s'agissant du mandat, en disant que les compteurs sont remis à zéro lorsqu'on fait une nouvelle commission, c'est faux et archi-faux. Ce n'est pas, c'est pas exact, mais c'est faux. Moi, je vous donne un seul exemple que la France nous a montré, puisque c'est la France qui nous a montré. La France nous a montré que lorsque Jacques Chirac a été président de la République, son mandat était de 7 ans. En cours de mandat, la condition a été modifiée pour avoir un mandat de 5 ans, modifié dans les règles, sans les contrôles, les contorsions que nous avons en train de faire, dans les règles. Son mandat, en cours de mandat, alors que son mandat est de 7 ans, il a ramené le mandat à 5 ans. Il n'a pas dit que les compteurs sont remis à zéro. Donc il va recommencer un nouveau mandat de 5 ans. Il a fait les 5 ans, il est parti. Ce qui veut dire qu'il a écouté son mandat de 7 ans. Il n'a pas dit que le mandat, les compteurs sont remis à zéro. Il va faire un nouveau mandat de 5 ans. Non. Parce que ça, ce n'est pas le droit. Ce n'est pas la règle du droit. Ce n'est pas le droit. Le droit, c'est que le mandat ne peut pas, le compteur ne peut pas être mis à zéro. C'est clair, c'est net. Sur ce point-là. Sur un autre point. Concernant le changement de constitution, le changement et l'élection du président de la République. Mais c'est évident, ils sont en train de créer un nouveau régime. Ils sont en train d'installer un nouveau régime. Un régime qui n'est plus un régime présidentiel. La constitution togolaise a créé un régime présidentiel, disons, un peu de l'été parlementaire, mais c'est un régime présidentiel, voire présidentialiste. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils veulent changer, veulent modifier, changer de régime. Ils ne veulent pas changer le régime de cette façon-là. On ne peut changer le régime que par référendum. Comme tout à l'heure, le professeur vous l'a dit. Et sur ce point, je suis d'accord avec lui. On ne peut pas seulement élire le président du même, mais pas, on ne peut pas changer de régime sans que ce ne soit fait par référendum. C'est clair, c'est net. Donc ce qu'ils sont en train de faire est totalement contraire à la constitution, à l'esprit de la constitution et à l'esprit de tout ce qui peut se faire. Est-ce que vous l'avez dit?